Hello tout le monde, ici Jérôme Lessette, plus connu sous le nom de Expérienteux. Je fais la part 2 de la physique dans le classique. Fait que là, on peut mettre des creepers, oui, on peut en mettre, puis aussi des zombies. Fait que là, je vais aller me faire attaquer par un creeper. Qu'est-ce que ça fait? Ça explose. Attends, je vais aller ici, faire save. Puis là, j'attends qu'ils viennent. Que je vais dire. S'il vous plaît, mets des zombies, s'il vous plaît. Fait que là, un creeper qui te fonce dessus, ça va exploser. Hey, pourquoi ça explose pas? Ah oh bon, ça a explosé. Ça lag un petit peu beaucoup. Là, je fais R. Et vous voyez, ça l'a explosé. Et oui, ça l'a explosé. Encore. Ici c'est des zombies. La TNT c'est des creepers, puis les zombies c'est cela. Fait que là, il m'a tué. Les zombies m'ont tué. Fait que je vais aller me faire tuer par un creeper pour le fun. Bien sûr, version classique. Oh, mais faites éclater. Bon, mais aussi, comme je vous l'ai montré, c'est slash ou point d'exclamation. Puis vous écrivez explode pour faire. Puis là, vous tirez, puis là, ça va faire beaucoup de dégâts. Attends. Ah! Ok. Tiens. Une petite explosion là-bas. Bon, attends, je vais essayer de faire exploser la TNT. Moi, je sais pas c'est comment, je pense. Je sais pas. Je pense que tu prends la TNT, le taux de ton gun. Tu peux écrire juste gun. Tu n'en poses. Et puis là, tu t'écris lava. Et là, je sais pas si ça a marché. Là, j'ai jamais essayé. Ah, explose. Ah bon, mais je sais pas. Fait que merci de m'avoir écouté pour la deuxième partie de physique sur la classique. Eh bien oui, on peut exploser de la TNT et des creepers, des zombies. Puis c'est ça. Commentez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Fait que merci. Bye.